Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du président Macron et de sa femme Brigitte. Donc, le président Macron qui, comme tous les Français, a pris ses vacances d'été. Ils se sont réfugiés dans leur villégiature habituelle, hein, dans le fort de Brégançon. Donc, si les photos du président n'ont pas circulé en France, du président en vacances, bien sûr, elles ont été montrées dans d'autres pays, par exemple, comme l'Angleterre. En Angleterre, sur le Daily Mail, on peut voir le président Macron en train de faire du jet ski à la Côte d'Azur. Il est en vacances, comme je disait, avec sa femme Brigitte qui est âgée de 67 ans, et on le voit en train de faire du jet ski. Il a l'air heureux, il parle avec sa femme qui est dans un bikini assez échancré. Elle a quand même un beau corps pour son âge, on va dire, et elle ne se gêne pas de le montrer. Donc il est très heureux d'être avec elle, il est dans l'eau, il est dans son élément. Ils essaient de rester discrets en portant des petits chapeaux, en regardant pas trop les caméras, mais malheureusement les caméras sont là pour les filmer. Est-ce que ça les dérange? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est la belle vie, ils en profitent bien parce qu'il a eu une année assez chargée, ce qui est compréhensible. Mais je pense que ces photos ne vont pas plaire à tout le monde en France. Hein. La France qui subit toujours les conséquences de la pandémie, et certains Français ne peuvent pas malheureusement aller en vacances parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit ils ont perdu leur boulot, ou alors soit ils ont trop peur à cause des consignes de sécurité et tout ça. Et peut-être que s'ils voient leur président en train de s'amuser comme ça, être heureux, ça risque de les énerver. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains magazines, dans certains journaux français, dans les médias français, on n'a pas montré ces photos-là. Et d'ailleurs, le Daily Mail dans lequel ont été publiées ces photos joue sur le fait que certains Français ne sont pas partis en vacances et ils juxtaposent des photos du président en train de froliquer dans l'eau avec sa femme. En même temps, comme je l'ai dit, il a dû avoir une année super chargée. Ce n'est pas facile de diriger tout un pays et qu'il a aussi droit à ses vacances. C'est un être humain comme tous les autres. Mais comme je le disais, ça risque d'énerver plus d'un. Certains, surtout, qui n'ont pas pu aller en vacances. Certains qui sont bloqués dans un appartement minuscule à Paris. Certains qui n'ont peut-être pas les moyens et qui voient leur président comme ça profiter pleinement de la vie. Mais comme on dit, il ne faut pas être jaloux, hein, parce que c'est sa vie, ce sont ses prérogatives, il a le droit de se relaxer, comme on a le droit d'avoir une vie, de se relaxer à la maison. Voilà, donc j'espère que ces photos ne vous ont pas trop énervé, c'était juste pour vous les montrer, hein. Et on aimerait tous aussi être bien dans l'eau, mais en tout cas moi, mais bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et aussi à cliquer sur la petite cloche, afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, merci.